Marine à la voix de Le Pen, c'est horrible, c'est un super jeu. Bonjour à tous, bienvenue dans Level One, je suis avec mon pote Fethi aujourd'hui. Bonjour mon Fethi, ça va ? Salut, ça va et toi ? Bah ça va, en pleine forme, bien, je suis très très content de t'avoir. Bah, je suis content, d'ailleurs je me suis déguisé en Gandhi aujourd'hui. Bah, c'est pas mal, bienvenue, ouais, je t'ai pas fait, d'habitude je fais le bisutage quand je reçois quelqu'un pour la première fois, on devrait là, être déguisé en Mario ou je sais pas quoi. Tu y as échappé, t'es content ? Oh, je t'avouerais qu'il y a un petit déguisement, ça m'aurait... Ah, c'est vrai ? Ça m'aurait plu pour la prochaine fois. Bon, je l'avais pas fait parce que je t'aime bien, je voulais pas te vexer, bon bah voilà. C'est gentil. Fethi, alors bah, vous connaissez sa voix peut-être, vas-y fais ta voix douce et langoureuse. Portez-vous bien. Putain, super. Donc c'est toi qui fais les previews chez nous, voilà, et on te voit pas souvent, donc je me suis dit, comme on s'entend bien dans la vraie vie, c'est vrai. Bon, on va jouer tous les deux. Et on va jouer aujourd'hui à Smash Bros. Sur Nintendo 64. D'accord, ça date un peu, mais vous savez pourquoi ? On s'est bloqué tout de suite. Parce que figurez-vous que l'attaché de presse n'a pas fait son boulot, il nous a pas envoyé le jeu au moment où il est sorti. Et voilà, nous voilà 3 mois après la sortie et le jeu est toujours pas là. Alors je suis allé, j'ai le ticket de caisse qui le prouve, une grande surface que je nommerai pas, et j'ai payé 369 francs Smash Bros. Voilà, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce que je vais me faire rembourser, est-ce que je vais faire une fiche de frais, une note de frais et me faire rembourser parce que ce jeu je l'aime pas, ou alors est-ce que je vais vraiment pas me faire rembourser, et à ce moment-là ça voudrait dire que ce jeu je l'aime bien, c'est ça en fait. Donc tu me diras à la fin, toi, si je te dirai ce que j'en pense, on l'achète ou on l'achète pas, quoi. Voilà, bon allez mon Fethi, on va se battre, parce que c'est un jeu de baston. Donc regardez, il y a tous les personnages de Nintendo, ça c'est génial parce qu'ils ont vraiment respecté leur univers. Alors on va commencer par Mario. Donc, je vais prendre Mario, tu prends qui ? Je vais prendre Link, Zelda. Ah oui, pas mal. Belle bête. Beaucoup la voix du mec, c'est terrible. Alors il y a plein de décors différents, il y en a qui sont très rigolos mais qui sont trop clairs. Vous connaissez notre Pierre Boulet, notre réalisateur qui râle dès que c'est trop clair. Donc on va commencer avec des niveaux plutôt sombres, on va prendre celui-là qui est la jungle. C'est le niveau de Donkey Kong en fait. Donc si vous connaissez Donkey Kong, vous allez retrouver un peu l'ambiance. Et puis chaque personnage évidemment a son petit univers, ses bruitages et tout ça. Ah bah tu commences comme ça. Je prends ça. Donc je suis Mario et Link c'est le Fethi. Viens par là mon petit bonhomme. Alors vous voyez qu'en bas, il y a un petit pourcentage, c'est les points de vie en quelque sorte de l'adversaire. Et plus on morfe, plus le pourcentage est élevé. C'est-à-dire que là, j'ai pas beaucoup touché Fethi, qui n'est qu'à 7%. Oh la vache! Oui, j'ai réussi à revenir, c'était limite, et il m'a foutu dehors tout de suite, direct! Alors qu'on s'est quasiment pas entraîné, je suis dégoûté. Donc, le principe de base de ce truc-là, c'est pas tellement de faire, de tuer l'adversaire, c'est plutôt. Oh, il m'a sorti un truc monstrueux. C'est de l'éjecter de la plateforme, en fait, pour lui faire perdre une vie. Alors pour ça, bah, soit on l'éjecte de la plateforme normalement, soit on attend qu'il soit à 100%, que le petit pourcentage arrive à 100%. Et là, il faut faire juste c'est tombé. Ouais. Et là, il faut faire une petite attaque, une super attaque. Donc c'est un petit combo, c'est deux fois à gauche plus le bouton bleu. Et ça permet de virer l'adversaire très très loin. Donc voilà, là on est parti, j'ai expliqué un peu les règles. Maintenant, on va pouvoir se friter. On peut se mettre en parade, là je suis en protection par exemple, tu peux pas me faire grand chose. Ouais. Par contre, vas-y, continue à taper. On peut marcher en parade. Tu vas voir que la protection diminue, tu vois, au bout d'un moment. Aïe, il est pas marre de m'a tué. Ah non ! Oh, raciste. C'est horrible. Fethi m'a tué, c'est terrible. En plus, t'as gagné. J'ai mis que deux yes. Ouais, mais ça peut dire des deux mains. Ah là là, bon, je suis deg. On va changer de personnage. Je vais prendre. J'aime beaucoup Yoshi, tiens, moi. Donc je vais prendre Yoshi. Je vais prendre Kirby, moi. Oui, bien un petit boule Kirby, j'aime beaucoup moi. Ouais. Un très bon flipper Kirby sur Game Boy, tiens, si vous avez une Game Boy. Kirby Dreamland, je crois que ça doit être tout. J'adore ce truc, moi. Chaque fois je prends l'avion, je mène ce jeu-là et j'essaie de péter des scores. Là, c'est le décor de Star Fox. Je sais pas si tu connais Star Fox, c'est assez sympa. Voilà. Oui. Sauf que on se retrouve. Alors là, je t'ai mangé carrément. Je peux te manger et te transformer en œuf. C'est un des pouvoirs de cet animal. C'est assez sympa. Et toi, normalement, tu dois pouvoir filer des coups d'épée et faire des trucs à distance. Voilà, monsieur, je vous transforme en œuf. Je suis comme ça. Donc, il n'y a que deux boutons de coup, en fait. Mais en variant, la direction du pad, on peut arriver à faire des trucs plus sympas. Sans me dire, je parle tout le temps, j'arrête pas et je te laisse pas passer. C'est normal, c'est-à-dire que j'arrive pas à me. Faut que je me concentre autrement. Moi, les jeux de baston. T'es pas trop c'est une histoire d'amour. J'aime bien, mais. Il y a trop de boutons pour moi dans un jeu. Bah là, je pense à me aller, t'as vu, il y en a que deux. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je sais vu, tu t'en sors quand même plutôt bien. Ouais, je me concentre quand même pour que ma mère voit son fils massacrer Marcus. En train de gagner. Oh, bah c'est pas très. Tout le monde l'a fait, donc limite, c'est pas un exploit. Tous les gens qui viennent me battre en général, donc je pense pas que ça serait qui va rendre ta maman très fière. Par contre, elle peut être fière de toi, ta maman, parce que t'es un très bon testeur et tu écris très bien et tout. Et moi, je suis très fier de toi. Merci Marcus. Je suis content de t'avoir là, mon petit. En fait, tout c'est bien. D'ailleurs, si vous êtes amateur de preview, vous avez déjà entendu ce texte.
Nous, ça nous fait beaucoup rire, tes conneries. Moi, ça fait 3 mois que j'essaye de venir, mais c'est tellement demandé que... Ah ouais, c'est vrai que je reçois beaucoup de gens en ce moment. Mais tant mieux, c'est bien, je fais plein de copains pour jouer. Bah, t'en reviendras, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Eh là là! Tout le monde est dans le vide, carrément. Est-ce que je vais me raccrocher? Non, je suis tombé dans le vide. Alors, je t'ai quand même un peu éjecté, là, je crois bien. Hop là. Donc, but du jeu, essayer de ramollir l'adversaire. Oui, t'aimes pas. C'est pénible. En plus, je le fais mal, parce que normalement, il faut le faire plutôt en bout de piste, histoire d'essayer, évidemment, de balancer l'autre en dehors du ring. Et c'est une arène assez simple. Hein. Ouais, en général, elles sont petites et assez simples. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet de se repérer assez vite. Et en même temps, il y a toujours des petites astuces. Ah là, j'ai réussi à cracher un œuf. Faudrait que j'essaie de le refaire. C'est pas très efficace, mais... Mais c'est vachement jouable, en tout cas. Peut-être à part les trous, tu pars un tout petit peu... Un petit peu bizarrement, mais alors, voilà, il y a un truc que j'adore. Attends, me frappe pas, je voudrais juste montrer un truc. Regardez, on peut être éjecté et on peut ressauter pour revenir dans l'axe. Voilà, donc ça, c'est assez génial. Voilà, refritons-nous maintenant. On peut attraper les objets. Oui, c'est vrai qu'on peut attraper des objets pour se battre. Donc là, par exemple, je vais essayer de prendre ce tonneau. Ah, il m'a empêché. Des fois, il y a des objets qui sont cachés dans les tonneaux. Là, il y a une épée. Toi, t'en as déjà une. Donc, je vais te manger et je vais prendre l'épée à ta place. Voilà. Et je vais pouvoir te friter un peu plus. En plus, t'es à 75%. Donc, normalement, bientôt, je devrais pouvoir t'achever si tout va bien. Ah, monsieur se défend avec une parade. Oh là là, j'ai été éjecté. Oui, je rattrape juste à temps. Et là, on n'est que deux, mais on peut jouer à 4 en plus, ce qui est extrêmement rare dans un jeu de basket. Donc vraiment, bien, bien. Je vais prendre l'épée. Je peux la récupérer, ouais, des fois on peut la piquer. Oh là, tu m'as foutu dehors. J'attends que tu reviennes là. Super reprise de volée. C'est presque du tennis. Ah voilà, moi aussi je peux t'éjecter si je veux. Mais t'arrives à revenir quand même. Hein. Les zooms, ils sont vraiment beaux en tout cas. Oui, ils cadent toujours bien, les gars. Tiens, voilà, éjecté. 173% normalement, là, si l'un de nous deux arrive à placer sa petite attaque, on devrait plus parler de l'adversaire pendant un moment. Ah, monsieur veut lâcher une caisse, peut-être. Espèce de grossier personnage. Oh, c'est un bon genre. Viens là, que je te transforme en œuf. Alors là, on est tous les deux au-delà de la limite. Voilà, normalement, ça devrait t'éjecter définitivement. Ouais, j'ai gagné. Ça fait un match partout. Ouais. On va pas me laisser une vie à chaque fois, même pour faire plaisir à ta maman. Non, je vais être le seul qui va se faire battre par toi. C'est pas sûr. Attends, il y a peut-être des gens qui se sont fait battre. Pili, je l'ai battu une fois, je crois. Une course. Little Crazy, je sais pas quoi. Qui est-ce qu'on n'a pas pris encore? Star Fox, tiens, je ne l'ai pas pris tout à l'heure. Shamus, je ne sais pas dans quel jeu il est. Ça me dit quelque chose, là, ou ça me dit rien? Non, ça me dit. Je sais plus, c'était dans Urgence, je crois. La série avec George Clooney, tu sais. Shamus. Ah, mais t'es pire que moi, toi. Pas mal en plus. C'est vraiment rien. Bon, choisis ton gars au lieu de dire des bêtises. Salut. Ça y est. Salut. Ah bah voilà. Et puis on va choisir. Tiens voilà. Ce décor-là est pas mal parce qu'il s'enfonce dans la lave au bout d'un moment. Ouais, il est beau. Ouais. Donc là, bon, on commence un peu, mais franchement, au bout d'un moment, on commence à maîtriser un peu. Ouais, c'est vraiment très sympa, très drôle. Chaque personnage a vraiment ses petites caractéristiques. Et puis c'est cohérent avec le reste de l'univers de Nintendo. Donc Link a une épée, c'est normal. Moi je suis Star Fox, j'ai un fusil laser. Je peux faire des trucs déments. J'ai un peu raté, mais... Vache. Hop, je me rattrape juste à temps. Ah là, il y a un petit objet. Ah bah voilà, tu l'as. C'est une baguette magique. Il faudra te méfier de temps en temps, il y a de la lave en fusion qui monte en bas et on ne peut plus... Qui monte en bas, pas français ça, mais bon. Qui monte au niveau bas. Et attention, voilà, ça monte, là il faut remonter en hauteur. Ah, le truc que je vais choper là, ça me remet mon pourcentage à 0. C'est pas mal, l'espèce de citrouille Mario là. Ah, tire, n'approche pas. Donc il y en a qui sont faits pour être au corps à corps, d'autres qui sont faits pour être un peu plus à distance, comme un peu tous les jeux de baston, donc c'est sympa en fait ce mélange, je trouve. Oh là là, c'est qui est dans la lave? Moi, tous les deux. Là, je comprends plus grand-chose, là. Alors, normalement, quand on est hors de l'écran, tu as vu, il fait une espèce de zoom, il t'encadre, voilà, comme je suis en train de faire la roue, tu vois, je sors, il y a une espèce de loupe qui me montre l'endroit où je suis, ça permet de se repérer. Si jamais ça devait arriver à nouveau. 21%, c'est pas beaucoup abîmé, hein. Donc toi, t'es plus... Si t'aimes pas trop les jeux de baston, t'aimes quoi? Si, j'aime bien les jeux de baston, mais j'ai jamais pris le soin d'apprendre tous les combos, les trucs comme ça, quoi. Moi, j'attrape la manette. Je suis comme les filles quand elles jouent. Je suis pas misogyne, attention. Je suis comme une fille quand je joue un jeu de baston, j'appuie sur tous les boutons. Sur tous les boutons, et ça marche. Voilà, quoi. Ouais, ça marche souvent. Plusieurs fois avec cette sale méthode.
C'est vrai que quand tu t'appliques et que tu essayes de faire des trucs bien, en général, tu te fais piler. Alors que quand tu appuies partout à la fois, ouais, bah voilà. Essaye d'enchaîner les combos, en fait. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer soit bourrin, soit vraiment essayer de s'y mettre. Donc c'est pas mal. Tu vois, au bout de 2-3 minutes, déjà, on commence à voir un peu comment ça se passe. Là, je te tourne le dos. Oh là là, monsieur m'a éjecté et je ne reviendrai peut-être pas. Marcus. Oh oui, regarde ça. Ah, il y a là où tu viens t'HP. J'étais raccroché juste par les ongles. Ah ouais, là, donc là, t'as perdu une vie alors. Ouais, alors on n'a plus qu'une vie chacun. Donc je sais pas exactement. Oh là là, puis si je tombe dans la lave, on va encore moins. Là, mon petit bonhomme. Ça, c'est quand même le truc le plus efficace que j'ai. Bon, faut, je vais essayer de pas rester en bas, c'est pas très bon pour moi en fait. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'objets pour le moment, alors qu'il y a des objets rigolos. On va essayer de prendre ça par exemple. Voilà. Il y a plein d'objets différents, il y a des trucs, des missiles, des tas de trucs. Voilà, là j'ai par exemple un énorme flingue. Ah là 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 là. Je crois que je suis grillé, en plus il y a 102 là. Ouais. Donc je vais pouvoir... Si t'arrivais à me toucher, ouais, si t'arrivais à me foutre hors du ring, c'est un peu comme au catch. Et voilà. Ah oui. Super smash. Attention, je reviens. Non, et je récupère une caisse pour cette repassage aussi. Oh non, non, non. Attends, je vais chercher cette caisse parce que ça m'énerve. Voilà. Oh, puis je me laisse planter, moi. C'est bien, c'est coopératif, c'est plutôt bien. En fait, oui, c'est l'idée, c'est un peu comme le catch où il faut que tu finisses par maintenir l'adversaire épaule à terre. Là, c'est, il faut le virer du ring pour pouvoir terminer. Il y a encore un petit objet là, tu vois ce que c'est. Hop. Je vais te le lâcher dans la tronche. De temps en temps, il y a des personnages qui surgissent et qui viennent t'aider. Notamment le Pikachu, il a des autres Pokémon qui viennent l'aider. C'est assez marrant. Donc on retrouve vraiment l'univers de Nintendo, ça c'est assez sympa. Ah, je suis à 135 hein, normalement là. Si tu te débrouilles bien, si t'arrives à me faire ton attaque. J'arrive pas à la placer là. En plus, on en est où là? T'as gagné une partie et moi deux. Et voilà, super smash en direct du stade Mario. Et ça fait égalité ça. Deux chacun, je crois. Ah, 2-2, aïe aïe aïe. T'as gagné la première, il a gagné, Pierre il a gagné la première. 2 pour Fetty, 1 pour moi. Yes. Bon, allez hop, il me reste en même temps 2 minutes pour me rattraper. Oulala, je suis passé un peu vite. On va prendre un autre personnage. Donkey Kong, j'ai pas pris encore. Il y a 4 personnages cachés, tu sais, c'est. Non, je les ai pas fait encore. Alors par contre, oui, on peut jouer tout seul, on peut jouer à 4, ça je l'ai dit, c'est super d'ailleurs de jouer à 4. On peut aussi jouer tout seul. Tu gardes Link? Non, je voulais prendre Pikachu, mais j'ai pas eu le temps. En fait. Alors vas-y, essaye de prendre Pikachu. Ouais, quand on joue tout seul, évidemment, on se fait les adversaires les uns après les autres. Tu l'as toujours pas pris, qu'est-ce qui se passe? Pas pris. Appuie sur vert peut-être pour changer de personnage. Voilà, ça y est, super, on y est. Black. Pikachu. Allez, on va repartir dans la jungle, c'est peut-être le niveau plus simple, c'est le mieux. Qu'est-ce que je disais? Quand on joue tout seul, c'est assez génial. Tu tapes tous les adversaires les uns après les autres. Ouais. Et l'adversaire final, c'est la main du créateur de Nintendo. Tu sais, l'espèce de gant genre Mickey. Et alors, il y a une animation géniale. Elle te marche dessus, elle te pousse avec les doigts comme Obi. Enfin, il y a vraiment des trucs fabuleux, quoi. Donc vraiment, le boss de fin de niveau est assez génial. Et voilà. Et normalement, ça ouvre d'autres personnages. C'est vraiment mignon. Puis c'est bien pour un jeu de baston. C'est assez enfantin comme ça, mais ça garde ouais, y a un quand petit même... esprit. Il n'y a pas trop, il y a pas d'agressivité, quoi. Ouais, exactement. Je trouve bien sympathique. C'est surtout un truc à jouer entre potes, en fait. Oh là, je vais virer le Pikachu. C'est vraiment un truc à faire entre potes. Là, t'es dans le tonneau, tu vas pas tarder à sortir. Ouais. Aïe, aïe, je vais pas dégager. J'ai pas réussi à me rattraper. Tac, tac. Pikachu. Alors, on entend les voix. En plus, c'est vraiment les vraies voix et tout. C'est super. Donc, qui prépare un super coup là. Elle vient ici, toi. Oh la vache. Non, vraiment, tu vas militer au poil. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Avec Donkey. On s'habitue très très vite. Pikachu. Tiens, Pikachu, je vais te Pikachier, moi. Pikachu. Ah, on n'aura pas le temps de finir le match, c'est horrible. Par contre, ça arrive là, mon fétis. Bon, en tout cas, je suis bien content de t'avoir eu avec moi. Moi bien aussi, marré. Donc, ça te plaît? Donc, est-ce que je me fais faire une note ça de presse? Ça me plaît. Bon, allez, je l'achète. Franchement, soyons, c'est pas parce que l'attaché de presse n'a pas fait son boulot et tout. Franchement, je l'achète, je me fais pas rembourser. Tiens, je mange. Ouais, avec ce que tu gagnes en plus. C'est pas très bon, mais je me ferai pas rembourser. Donc voilà, vous pouvez l'acheter. Moi, franchement, je vais l'acheter. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un joli jeu. Merci d'être venu, mon fils. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À ciao pour un prochain Level One. Soyez sages. Et on continue un peu. Pikachu. Le fun.